Voilà. Donc on s'apprête ici pour le panneau. C'est une joie pour nous et c'est au nom du chef de l'État, du chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, représenté ici par Dr Bernard Goumou, Premier ministre, chef du gouvernement et moi-même. Nous représentons tous ici aujourd'hui, tous les deux, les membres du gouvernement pour accueillir nos pèlerins qui sont partis effectuer le cinquième pilier de l'islam. Nous savons ce que cela représente dans la vie des fidèles musulmans. Et c'est tout à fait une joie pour nous de les accueillir aujourd'hui, à leur arrivée. Quand ils partaient, nous étions là également pour leur dire au revoir. Donc ils sont partis en bonne santé, ils sont revenus en bonne santé. Il était tout à fait normal que nous venions les accueillir pour leur dire qu'ils sont bienvenus chez eux, encore une fois, et ensemble partager cette joie-là avec eux, parce que réaliser ce cinquième pilier de l'islam, c'est le rêve de tout musulman de pouvoir effectuer cette démarche spirituelle, cette démarche religieuse. Alors, depuis que le CNRD est au pouvoir, vous l'avez si bien constaté que nous faisons en sorte que, quelle que soit la religion, nous soyons toujours là auprès de notre peuple, auprès des populations, pour leur exprimer notre joie, pour les accompagner. Et cette année, vous avez remarqué que nous avons pu faire partir pas moins de 32 convois. Et c'est la première fois que la Guinée a réussi à faire partir plus de 10 000 pèlerins au Hadj. C'est une première et cela est vraiment à mettre au compte du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que le peuple de Guinée puisse vivre de façon très, très harmonieuse, de façon à ce que chacun puisse accomplir son devoir religieux. Donc j'en profite en tant que ministre des Transports pour exprimer toute ma gratitude au chef de l'État, au Premier ministre ici présent, à l'ensemble du gouvernement, mais également au secrétariat aux affaires religieuses, mais également à l'ensemble des directions qui ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce Hadj 2023. Je veux notamment parler de l'AGAC, je veux aussi parler de la SOGEAC, mais également de l'ensemble des services qui sont concernés pour l'organisation du Hadj 2023. Qu'ils en soient tous remerciés au nom du gouvernement. Le constat que je peux faire, c'est d'abord louer Allah, le Seigneur de l'univers, qui nous a permis d'accomplir notre cinquième pilier de l'islam, et profiter aussi de remercier les autorités, à commencer par le président de la République, le chef de gouvernement, et toutes les dispositions prises, parce que, sans commentaire, ça a été l'un des meilleurs Hajjs depuis que la Guinée a commencé à aller, parce que les dispositions, que ce soit les dispositions sanitaires, les dispositions administratives, mais aussi les conditions de vie, c'est-à-dire je parle de la restauration, je parle des hôtels, je parle aussi de la circulation, c'est-à-dire les bus qui étaient à la disposition des pèlerins, mais aussi l'attention que son excellent monsieur le ministre des secrétaires général des affaires religieuses, qui a bien voulu d'ailleurs accepter de venir manger avec nous, et il passait hôtel par hôtel pour s'enquérir des nouvelles. Donc ce qui veut dire que il a vraiment suivi strictement et de façon fidèle les instructions reçues de la part des autorités. Donc on ne peut que vraiment se résoudre de ça. Et nous prions Dieu que notre pays puisse vraiment continuer dans ce sens, qu'on puisse vraiment continuer à vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la cohésion sociale. Et on bénit pour notre pays, on paye pour notre président de la République, on paye pour les chefs de gouvernement et l'ensemble du peuple de Guinée, surtout l'ensemble du peuple de Guinée. Donc on veut plus de paix, de sérénité et aussi de la cohésion sociale. Moubar tofarehi yiraba kha mi khe furahi ala khe yalan moubar siga heri moubar fa heri ala khe yibo khira tanga ala khe yi heyi dona tofare na siga khe tamuna na dubulo kha siga mugala makande khe menjebe colonel Mamadi Doumbouya akanya mara go gobe yalan yukwi e khasere bira furame e hiyele fokora
e ka sere bira fureme fora nanan duna nana de fora dondroti fureme sigama ne museri sotoma ma part de ça tout va bien. Gérer 10 000 et quelques pèlerins, et c'est une première, c'est une première, et chapeau vraiment à nos autorités qui ont bien. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite, hein, mais vraiment c'est ça, il faut leur tirer le chapeau, parce que 10 000 et quelques pèlerins, c'est pas facile. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous, et je pense que réellement nous prions Dieu que Dieu accorde la possibilité à tout un chacun, ceux qui ne sont pas encore là-dedans, de faire ce voyage spirituel. Et nous-mêmes qui avions fait, on a aussi formulé des invocations pour que Dieu puisse nous appeler pour les futurs pèlerinages. Globalement, au titre du Hajj 2023, nous avons sur le terrain 10 314 pèlerins. Cela a été rendu possible grâce à l'implication des autorités guinéennes, mais aussi à cause du fait que les autorités saoudiennes ont bien voulu reconnaître les efforts qui ont été fournis. Donc cela nous a permis, à travers 34 convois, de convoyer les 10 300 et quelques personnes sur le sol saoudien. Et aujourd'hui, nous assistons donc au retour du premier convoi, un convoi de 343 pèlerins. Et à partir de maintenant, cela va se poursuivre jusqu'au 22 juillet, où le dernier convoi va fouler le sol béni de Guinée. Donc pour cela, nous tenons à remercier toutes les parties prenantes et nous pensons que ceci a été fait pour le bien de notre peuple. Et rappelez-vous que c'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons la possibilité de convoyer plus de 10 000 pèlerins. C'est la toute première fois. Il n'y a jamais eu 10 000 pèlerins, à plus forte raison plus de 10 000 pèlerins. Donc cela s'est fait avec véritablement les efforts consentis par les autorités de la transition, avec à leur tête son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, que nous voulons remercier, mais aussi l'implication et le dynamisme avéré de son Excellence Dr Bernard Goumou, le chef du gouvernement, et l'implication du département en charge de l'organisation du Hajj, le département que l'on connaît, le secrétariat général des affaires religieuses. Donc nous pensons qu'avec la contribution des uns et des autres, tout ira pour le mieux et nous pourrons véritablement continuer à garder ce pays qui est un havre de paix et pour lequel ces pèlerins-là ont prié pour une réussite parfaite de cette transition et surtout pour un développement harmonieux de notre pays. C'est le lieu de dire qu'il n'y a jamais de pèlerinage sans cadre. Pourquoi? Parce que c'est déjà quelque chose de social et de religieux. Mais ces cas de décès ne sont pas dus à des mauvais traitements, pas du tout. C'est parce que simplement, il y a que certains pèlerins veulent même sur le terrain pouvoir... en tout cas, aller de vie à trépas en ce lieu. Mais de là à dire que c'est peut-être parce que les conditions étaient ceci ou cela, non, pas du tout, absolument pas. Donc vous avez vous-même suivi ce que les pèlerins ont dit, tout s'est bien passé. Et cette année, ça s'est encore plus amélioré. Au titre des améliorations, vous avez le fait que les pèlerins habitent ou logent, si vous voulez, à quelques encablures des deux saintes mosquées. Ça, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Et la deuxième chose, c'est que cette année, ils n'ont pas mangé seulement des mets saoudiens, mais ils ont mangé des mets qui étaient au goût guinéen. Donc, ils ont mangé exactement comme à Conakry ou comme, je ne sais pas moi, à Kankan ou à Zirikourou. Donc, il n'y avait aucune différence. Ceci signifie que l'accompagnement a été de taille et pour cela, il convient de remercier les autorités guinéennes. Autorité, autorité. Ah, on dit le bruit à moi.